Le deuxième en ce beau dimanche. Ram 1500 2019. Oui, oui, un 2019 vraiment bas kilométrage. C'est un Night Edition. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un Express. C'est le modèle classique. On a le capot sport. On a le bumper d'un sport. On a aussi des roues en alliage noir de 20 pouces. On a nos marchettes noires. C'est vraiment un truck qui est blackout. On a nos insignes qui sont noirs aussi. Quand on va aller de l'autre bord, je vais vous le montrer. C'est un crew cab. C'est quand même très très rare là. Pour les Night Edition, il n'y en a pas gros. On est équipé de caméras de recul. Je vous montrerai pas l'intérieur de la boîte du camion parce que c'est un intérieur de boîte de camion puis on est un petit peu à l'étroit. On a la toile qui recouvre notre boîte, c'est une boîte de 5,7 pieds. Quand on veut de la place avec la petite famille, regardez ça, tous les côtés pratiques. Beaucoup, beaucoup de place. On a du rangement comme ça de chaque côté. On a du rangement en dessous. Beaucoup de rangement, beaucoup de place. Je laisse faire le tour, on se rejoint à l'intérieur. Donc, pour poursuivre à l'intérieur du camion, c'est un camion qui est en tissu. On peut avoir un 6 places. Dans le fond, on peut lever la console. Qu'est-ce qui est pratique des rames, c'est que dans notre console, même si c'est un 6 places, on a beaucoup, beaucoup de rangement. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir assez facilement. Vous pouvez même mettre votre monnaie. C'est pas rien. On a notre prise dans le fond auxiliaire USB juste ici. On a la grosse écran, ça fait partie du Night Edition aussi. On a notre tout notre centre de climatisation. Hey, ça va pas bien, mais reste une autre affaire de la misère. On a le towing package, on a notre brake control juste ici. Ram dans le fond. Les nouvelles générations, ça fait un petit bout. On n'a plus de bras, là. C'est vraiment un bouton. C'est super fiable, j'ai jamais vu ça briser. On a aussi notre 4x4 lock. On a notre 4x4 eye. Puis on a notre deux roues motrices pour l'utilisation de tous les jours. Il y a un mode manuel. Je m'en suis jamais servi, mais ça a l'air, ça va bien. Juste ici, on peut changer nos vitesses. On a notre cruise control. On a notre Bluetooth. Puis ici, c'est tout le contrôle là, du tableau de bord. Là. L'écran est tactile juste ici. C'est sûr qu'on a le mode de lumière automatique, miroir électrique, on a nos vitres électriques aussi. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est un Night Edition 2019 crew cab. On est un des seuls sur le marché. Il y a beaucoup de quad cab, mais beaucoup moins d'espace à l'arrière dans un Dodge. Donc un véhicule qui est très très rare, qui est prisé, qui va partir assez rapidement. Si vous voulez plus d'informations, internet, Facebook, message texte, téléphone, 7 jours sur 7, ça va me faire plaisir.